Bonjour à tous. J'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. On va aller voir les ruines là-bas en cas où ça se rajoute sur la carte. Pour qu'il y ait une sorcière. C'est qu'il y a certainement des choses quand même cachées. J'ai plus d'épée. Alors, on fouille un petit peu. Ah oui, ces coffres-là, on les voit pas, on les détecte pas comme ça. Un rubis violet. C'est une épée rouillée. Pas trop. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose du coup. Bon, là il n'y a rien. On va prendre la direction il y en a encore là-bas. On va aller vérifier, non, c'est par là où on vient, je crois, je sais même plus. Je vois quelque chose briller là-bas. Te tuer comme ça parce que sinon on n'a pas fini. Encore au but. Protéger. Bon, quand même. Oui, le corps au but. Voilà, la chaîne passe ici, parfait. Voilà. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Noix corrogue. À la revoyure.
Excusez-moi. Rien d'intéressant par là. Là-bas, c'est quoi? Un caillou. Ok. Bon, on reprend la route. Au niveau pourcentage, 32,59. Une fois qu'on va avoir fait ce sanctuaire-là et bah, tout ce que j'ai marqué en fait, on ira au village de zéro. Bah voilà, en même temps on trouve. C'est ça, en même temps on va trouver. C'était pas pour un sanctuaire, mais il y en a un quand même. C'était pour le relais que je n'avais pas trouvé. Il nous restait bien donc un relais. Le relais des marécages. Ok. Je m'en souvenais plus. On va donner les pommes au chien pour commencer. Allez, le chien. Ça y est, tu m'as trouvé ton trésor. Il va être dans la forêt. Champignons sur la route. Il est bien caché le tien, dis donc. Le voilà. Merci le chien. Opale brute. Est-ce que c'est là qu'il y a un corrodu? Non. Ah, étonnant. Là-bas, il y a un caillou. Que c'est le corrigu. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Nom du corrigu à la revoyure. Oui, il y a.
intéressant. Attends, on va te parler après. Ah, tout le monde dort. C'est une potion, les bulles glagla, je crois. On va attendre que tout le monde se réveille. Et qu'il verra, ah oui, il est 2h du matin. Oh. Heureux de te revoir à nouveau, et surtout en un seul morceau. Au fait, sais-tu qu'un sanctuaire se trouve tout près d'ici? Mon maître était poète officiel de la cour de l'ancienne famille royale d'Irul, ainsi qu'un membre du clan Sheikha. Il se passionnait pour les civilisations anciennes et explorait les sanctuaires en compagnie de la princesse elle-même. Évoquer ses souvenirs le remplissait toujours d'une joie ineffable. Pardonne-moi de t'avoir retenu de la sorte. Comme tu l'as remarqué, parfois les mots m'emportent. Ce chant est à propos du héros du passé. Je le tiens de mon maître. Souhaites-tu l'écouter? Vas-y, mais je pense que c'est le même qu'on a déjà fait. Je te remercie, M.M. Donc c'est le même récit, mais on peut pas le passer. Non, tant pis. Ah oui, passé. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux m'entendre à nouveau, n'hésite pas de le demander. Non, ça va aller. Merci. Toi. Hey ! Que vois-je? Un voyageur. En effet. Et toi, qui que tu sois, écoute un peu ça. Ça y est. Je l'ai enfin trouvé. J'ai trouvé l'épée légendaire. Ça alors. Ah ah, prépare-toi à être jaloux. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Tu sais bien, la lame de l'élu, celle que seul le héros peut manier. On l'appelle la lame pure et sécatrice. Enfin, ou quelque chose d'approchant. Un truc en rapport avec un nettoyage brutal, quoi. Bon, ben voilà, tu l'as vu. Tu peux partir maintenant. Je dois reprendre l'entraînement. Si je te la montre, la vraie. Ah, je peux pas. Dans 38 secondes. Je vais revenir après, je te montrerai la vraie. Comme tout le monde dort, on va aller faire le sanctuaire. Sanctuaire de Kaya Miwa. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Kaya Miwa te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Bouclier d'eau. Donc déjà, on prend ça.
cœur antique. Bien la récompense. Je vais mourir si je vais là. Non, là je crois que c'est foutu. Je suis raté. Épée royale, tout ça pour ça, mais bon, de toute façon, on est obligé de l'ouvrir. Si on veut voir si on a tous les sanctuaires, sinon il ne reste pas marqué avec un coffre. Et moi, je veux le faire directement. Donc, maintenant, on a tous les coffres. Mais non, t'es passé en dessous. On va essayer de voler directement, ce qui va pas être simple. Non. C'est tout ou rien. Beaucoup de flèches, donc je viens récupérer mes flèches ici. Et maintenant, il faut voler jusqu'à là-bas. Et bah dis donc, pourtant c'est tout simple quoi. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Sanctuaires, ça s'approche. Après, on n'aura plus que les Korogu. Et le restant des missions. Voilà. Relais des marécages. Est-ce que mon épée est revenue? Oui. Donc tu veux que je te montre mon épée? Après tout, peu importe, dis-moi, c'est une bien belle épée que tu as là. Elle a un nom, cette petite merveille, la lame purificatrice. La lame. Ah ah, bien tenté l'ami. Malheureusement,
Pour toi, tu te trouves devant le véritable possesseur de la lame pure et cicatrice. Et oui, c'est moi, Yolel, le héros choisi par l'épée du destin. Allez, hop, on circule. C'est pas tout ça, mais je dois m'entraîner, moi. D'accord. Pouf, qu'est-ce qu'il y a? Mes grands frères, Elo et Yoled, passent leur journée à s'amuser. Et c'est à moi qui ont refilé les explications. Les explications? Oui, selon le code de la Société des Relais, chapitre 4, article 9, dans chaque relais, un employé doit être disponible en permanence pour donner des informations sur la région. Ils m'ont refilé cette tâche et eux, ils passent leur temps à s'amuser. Enfin bon, je suis le seul au relais des marécages à être qualifié pour donner des explications. J'ai pas trop le choix. Alors, allons-y, jouons le jeu. Tu veux que je te parle un peu des alentours? Il y a quoi à l'est? Le domaine de Zora, c'est tout. Bien, question suivante. Il y a quoi à l'ouest? Le château d'Hyrule. On raconte qu'il y a un passage secret, la galerie est, qui permettait à la famille royale de fuir en cas de danger. En l'empruntant, on pouvait entrer et sortir du château d'Hyrule. Par contre, je ne sais pas si elle existe toujours. Bien, question suivante. Non, mince, c'était pas là que je voulais aller. Il y a quoi au sud? Si tu veux savoir ce qu'il y a au sud, tu n'as qu'à demander au relais de la rivière. Haha. Ok, sympa tes explications. Donc, il n'y a plus personne dans le relais. Toi, on t'a parlé. Ah, il reste lui. 100 ans, déjà que le château est à l'abandon. Et pourtant, il se dresse toujours aussi fièrement, inébranlablement. Oh, comment on se retrouve? Tu voyages encore? Je continue à arpenter nos belles régions. Qui sait, je peux peut-être te parler de mes destinations. Souhaites-tu me demander quelque chose? Ouvrir l'album? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet endroit. Oh, je crois que j'y étais tout à l'heure. Je n'en suis pas très sûre, mais il me fait penser à la forêt qui se trouve juste au sud. Oh, mais non, il m'évoque bien plus la forêt au nord-ouest du relais sans fond, de l'autre côté de la rivière. J'y suis allée tout récemment et il me semble y avoir justement vu ce genre de paysage. Donc, c'est pas ce que je voulais voir. Marais sans fond. Donc, ça serait par là. Au nord-ouest, ça serait. Ça serait dans les environs, quoi qu'il arrive, quoi. Non, je l'ai pas noté. Au nord, ouest, ça serait ici. On va mettre une balise. Il y aurait un souvenir ici. Très bien. Ensuite, donc on a fait le tour. On va prendre ce petit pont parce que je suis sûre que ça fonctionne dans le pourcentage. Exemple 32-84.
22,92. Comme quoi. Bon. Vous êtes vraiment fort. J'ai bien cru que mon heure était venue. Veuillez accepter ce modeste remerciement. Excusez-moi. Citrouille farci protecto. Augmente l'efficacité de la défense niveau 1. J'aime beaucoup admirer les rivières. En voyant leur flot ininterrompu, on a du mal à croire que le grand fléau a frappé autrefois. Mais je n'aurais pas dû me laisser aller à la rêverie. Avant que je m'en rende compte, j'avais été attaquée. Je vais rentrer au relais à présent. Rentre, rentre. Donc il y aurait quelque chose en dessous là. Ah, ça y est, je le vois. Un caillou. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Noix corrugue. À la revoyure. Donc il n'y en a pas d'autres. Trésor. Ensuite. Donc du coup, ça, je peux l'effacer. Excusez-moi. On va faire un tour tout de suite pour essayer de trouver ce qu'on n'est pas loin. Faut repasser. Non, c'est pas dans ce sens-là. Faut repasser le pont apparemment. J'étais du bon côté, autant pour moi. Il y a une fumée là-bas. J'avais eu du mal à trouver ce souvenir-là. Dans les bois, je me souviens. Parce que tout se ressemble. On va déjà aller voir la fumée en haut. Que c'est. Qu'est-ce que je fais, moi ? Tiens, c'est pas souvent qu'on voit des gens par ici. Qui es-tu ? Moi, comme tu peux le voir, je suis une aventurière comme on en croise un peu partout. Les coins peu fréquents comme celui-ci sont dangereux. Ils sont infestés de monstres. Mais en contrepartie, on y trouve souvent des trésors abandonnés. Alors j'aime bien me tenir sur des points en hauteur, comme ici, pour repérer des zones intéressantes. Toi aussi, tu devrais jeter un œil depuis ce rocher. Je suis sûre que tu verrais des coins prometteurs à explorer. Très bien, merci. Ok, c'est pas l'indice pour aller justement chercher le... Je pense, hein. Faut qu'on trouve la forêt, alors je pense que c'est là-bas. On va aller voir ça. Il y a un bon coin là-bas. Ah,
Oui, j'ai vu. Mais je dois plus avoir de bombes, de flèches explosives. J'ai plus de flèches explosives. Laisse-moi tranquille, quoi. Je sais pas si je monte, je vais pouvoir poser à côté. Oui. Mais non. On va monter comme ça. Loin, parce qu'il faut la mettre ici. Allez, roule. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Noix corrogue. À la revoyure. Donc là, on est bien. On va aller voir quand même la forêt là-bas avant. Ça nous fera un autre souvenir. Et voilà, j'ai bien fait. Le voici. J'ai eu de la chance cette fois. Donc, on va enlever le masque. On va remettre le pantalon blanc. Parce que ça fait plus joli. En armes. Non, ce que j'ai oublié, c'est là. On est tout beau. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt.